The manager of the National Theater in Westwood says that there indeed are at least a dozen people who faint or become ill during every showing. I spent an evening in the lobby just to see if people really do come stumbling out in the middle of the picture, as reported. They did, so I asked them why. It just scared me to death. Things just like this just really scare me to death. I'm just nervous. Oh, God, I can't believe it. I've never in my life known a movie where people would faint. I mean, it's hard to make people faint. It's good. It's very good. Do you believe in it? Well, I'm a Catholic. It makes me want to go to church. I thought it was excellent. I really did. I thought it was very good. Did you believe it could happen? Oh, yes. Anything's possible. Possession by the devil? I'm not saying it has happened, but I'm not saying it hasn't either. L'Exorciste, sorti en 1973, le film, comme vous avez pu le voir, a fait sensation à sa sortie. J'ai mis longtemps avant de le regarder parce que je m'attendais à un film un peu cliché et j'avais tort. Le film a bien vieilli et est en réalité vraiment intéressant dans son rapport à la croyance, en dehors des scènes les plus sensationnelles très connues aujourd'hui. L'histoire du film, on la connaît tous et j'ai déjà dédié une vidéo à Pazuzu d'ailleurs, mais le film est basé sur le roman éponyme de William Peter Blatty, lui-même inspiré d'une histoire vraie d'exorcisme qui date des années 1940 et qui a servi à créer cette saga culte aujourd'hui du cinéma d'horreur, et ben je voulais vous la raconter parce qu'il y a, comme d'habitude, pas mal de points intéressants autour à décortiquer. Bonjour, je suis Sailor et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires qui touchent souvent à nos croyances et qui sont parfois inspirées de la pop culture. C'est le cas avec le sujet du jour. Et juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de CyberGhost VPN que vous commencez à connaître. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. L'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit pour la protection contre des logiciels espions par exemple, ou bien pour surfer n'importe où, parce que vous pouvez utiliser internet anonymement et de façon sécurisée depuis chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des cafés, des gares, à la fac ou encore au restaurant, et c'est vraiment très simple à utiliser. Mais avec un VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géo-restreint lié au streaming par exemple, avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou autre. C'est assez pratique pour découvrir du contenu pas encore disponible dans votre zone géographique, si vous aimez comme moi regarder des films qui ne sont pas encore dispo en France, mais je m'en sers aussi beaucoup pour accéder à des informations bloquées géographiquement quand je cherche des sources non francophones sur certains cas, et vous pouvez même parfois faire des économies avec des abonnements à prix réduit. 38 millions d'utilisateurs à travers le monde ont recommandé CyberGhost VPN, et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV et même des consoles de jeux, et sur 7 appareils différents, ça vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors profitez-en. Nous sommes dans les années 1940, à Cottage City, dans le Maryland. C'est une petite ville typique de l'Amérique d'après-guerre, dans laquelle vit la famille Hunkler. Ils viennent de la classe moyenne, dans un pays en plein essor économique, malgré la montée de la guerre froide. Et le fait que la famille soit de classe moyenne, c'est un détail assez intéressant, parce qu'on considère souvent que les affaires d'exorcisme ou encore de maisons hantées touchent davantage des familles pauvres ou marginalisées de la société, ce qui n'est pas le cas ici. Et l'histoire vraie de cet exorcisme entoure Ronald Edwin Hunkler, né en 1935. C'est un adolescent qui grandit là aussi de façon assez ordinaire. Son temps est réparti entre l'école et les activités avec les autres enfants du quartier. Il aide aussi sa famille pour les tâches ménagères. Bref, il mène une vie parfaitement ordinaire, jusqu'à l'apparition des premiers signes. Ronald, alors âgé de 14 ans, commence à remarquer des phénomènes bizarres dans sa maison. Il entend des grattements qui semblent provenir des murs de sa chambre, puis des coups sourds qui se font entendre sans qu'aucune cause visible ne puisse être identifiée. Ensuite, des objets se mettent à bouger par eux-mêmes, et le plus sensationnel, c'est le lit de Ronald qui, de manière inexplicable, vibrerait et se déplacerait sans intervention humaine.
Si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos sur des sujets similaires, on a un phénomène d'esprit frappeur, un adolescent qui se révèle être le catalyseur probable de ces phénomènes, ces deux éléments forment un schéma qui n'est pas nouveau. Et ça aurait pu être une situation rapidement balayée, l'imagination un peu trop débordante d'un jeune garçon, si les parents de Ronald n'avaient pas eux aussi entendu les mêmes bruits étranges et surtout vu de leurs yeux des meubles se déplacer sans explication. Ses parents sont ainsi les premiers à signaler des phénomènes étranges dans leur foyer et avec ce signalement commence une recherche d'explications longue et terrible. Devant l'inexplicable, la mère de Ronald cherche des réponses et elle se trouve souvent dans les préoccupations sociétales de l'époque comme le fameux Ouija. Parce que face à l'inexplicable, surtout dans une société assez croyante, tout est possible. Elle cherche des réponses dans tout, et elle se souvient alors que leur tante Tilly, une spiritualiste, ce sont les spirites anglais et américains pour résumer vraiment très grossièrement, eh bien cette Tilly avait montré à Ronald comment se servir d'une planche de Ouija. Et aujourd'hui encore, des gens croient que la planche Ouija peut servir de moyen de communication. Alors ce n'est pas la planche en tant que telle qui serait magique bien entendu, mais ce serait un dispositif facile à utiliser pour permettre la communication avec l'au-delà. Ce serait un outil. Et à l'époque, c'est vraiment un problème de société aux États-Unis, surtout dans une société qui est profondément ancrée dans la religion. Et donc, l'idée qui trotte dans la tête des parents Winkler, c'est que leur fils aurait pu ouvrir une porte et laisser entrer quelque chose de négatif chez eux, voire pire, en lui. Alors pour nous, cela peut paraître assez distant et difficile à imaginer, gardez simplement à l'esprit que pour eux, c'est une réalité possible, probable, et donc véritablement terrifiante, mais contre laquelle il existerait des solutions. D'abord, les parents Winkler emmènent Ronald pour qu'il soit examiné par des médecins. Alors les médecins constatent que Ronald souffre de convulsions, il présente également d'autres symptômes, mais aucun diagnostic clair n'est établi pour expliquer sa condition. Ils soupçonnent de possibles troubles psychiatriques, mais les sources sont minces sur ces examens médicaux, on n'a pas beaucoup de détails sur eux. Et à cela s'ajoutent les causes socioculturelles et religieuses qui peuvent jouer un rôle et même se renforcer mutuellement. Bref, sur son parcours médical, on ne sait pas grand-chose, ce qui en ressort en tout cas, c'est que la famille se retrouve dans une impasse médicale. Elle se rapproche alors du révérend Luther Schultz qui connaît bien la famille. En mars 1949, Schultz écrit au laboratoire de parapsychologie de l'université de Duke en Caroline du Nord en décrivant plusieurs incidents en détail. Selon Schultz, des chaises bougeraient toutes seules au domicile et même avec Ronald dessus. Schultz a également constaté que le lit de Ronald tremblait à chaque fois qu'il se trouvait dessus. Et sur le sol de la maison, il a relevé plusieurs traces laissées par des meubles lourds qui ont été déplacés. Schultz constate tous ces faits étranges, il a alors l'idée de changer d'endroit. Le 17 février 1949, Schultz emmène Ronald chez lui en pensant qu'il pourrait mieux voir ce qui se passe réellement. Ronald est installé dans une chambre avec Schultz et rapidement, des bruits étranges et des secousses émanent du lit. Les mêmes phénomènes se reproduisent, cette fois chez Schultz. Schultz confirme que Ronald ne bouge pas, pourtant le lit tremble très fort. Schultz place alors Ronald sur une chaise. Chaise qui se met à bouger toute seule, à faire des bonds en avant et en arrière, jusqu'à projeter Ronald dans la pièce. Toujours selon le témoignage de Schultz, il décide alors de placer Ronald sur un tas de couvertures par terre, et vers 3h du matin, Schultz voit ce tas de couvertures avec Ronald toujours dessus, bouger lentement jusqu'à glisser sous le lit. Schultz décrit alors comment Ronald se cogne la tête plusieurs fois contre les ressorts du lit sans broncher, comme s'il se trouve, à ce moment, dans une sorte de transe. Il a également constaté une image du Christ accroché au mur qui se serait mise à trembler lorsque Ronald était à proximité. Là, les événements sont définitivement interprétés par le prisme religieux. Les Winkler se tournent alors vers l'église catholique. Le père Raymond Bishop, contacté par la famille, décide de s'intéresser au cas avec son confrère William Bodern ainsi que le jeune père Walter Halloran. Ils sont alors convaincus que le jeune adolescent est possédé par un démon.
Si vous vous demandez pourquoi, eh bien l'Église catholique a un protocole pour reconnaître les cas de possession. Alors je rappelle que ce protocole repose sur une conception du monde religieuse avec les réalités qu'elle implique. Le protocole indique qu'il y a d'abord une évaluation médicale et psychologique pour exclure toute explication rationnelle. Ensuite, si aucun diagnostic médical ou psychologique n'est trouvé, eh bien un prêtre formé va examiner la personne. Ce prêtre a, selon l'Église, toujours pour mission d'ailleurs de chercher l'explication la plus rationnelle avant de conclure à une possession démoniaque. Et comment est-ce que l'Église déclare qu'il y a possession? Eh bien, elle reconnaît des signes de possession qui peuvent inclure une force physique surhumaine, une aversion pour les objets sacrés, ça peut être un crucifix brandi ou bien tout simplement des médailles. Elle reconnaît également la capacité de parler des langues inconnues, la xénoglossie, ou encore le fait que le supposé possédé ait connaissance de choses qui sont cachées ou distantes, par exemple savoir ce qu'il se passe 100 km plus loin et pouvoir décrire une situation en détail sans que la personne ne soit présente. Ensuite, le prêtre doit consulter l'évêque du diocèse, l'informer de ce qu'il se passe, et c'est l'évêque qui décide si oui ou non il doit y avoir un exorcisme approuvé par l'Église. Alors il faut savoir que ce n'est pas la foire à la saucisse, hein, ça reste quand même normalement une situation extrêmement rare, mais dans ce cas, Ronald est bien considéré comme possédé. Commence alors son exorcisme qui dure 3 mois, pendant lesquels plus de 20 rituels d'exorcisme sont menés. Lors d'un de ces exorcismes, Bowdern note dans son journal le 10 mars 1949 comment Ronald entre dans un état de transe pendant que 14 témoins l'observent. Ils entendent des grattements qui reproduisent le rythme de soldats qui marchent au pas. Une relique de Sainte Marguerite Marie à la coque est alors jetée au sol sans qu'aucune main humaine n'y touche. Des témoins reconnaissent avoir vu une force invisible à l'œuvre, et lors d'une autre séance particulièrement violente, une convulsion de Ronald provoque une fracture du nez sur un prêtre. Alors cela peut faire sourire, mais un exorcisme n'est pas une partie de plaisir pour la personne qui le subit. Qu'on y croit ou pas, ça peut vraiment traumatiser celles et ceux qui le subissent, et ça se déroule encore aujourd'hui. Au milieu du mois d'avril, Ronald est finalement considéré comme guéri. Plus rien d'inhabituel ne se passe, les phénomènes ont cessé. Ronald raconte avoir vu l'archange Saint-Michel brandissant une épée enflammée lors d'un rêve. Ah bah, c'est une fin plutôt épique, surtout que sa vision coïncide avec la fin des manifestations démoniaques, et c'est un peu interprété comme une intervention divine quand ce cas est raconté. Au fil des années, l'affaire est régulièrement reprise dans les médias, en préservant d'abord son identité sous le pseudonyme de Roland Doe. Après tous ces événements, Ronald mène une vie assez discrète. Il a quand même une carrière assez remarquable en tant qu'ingénieur à la NASA, dans laquelle il s'illustre. Il a notamment mis au point une technologie spéciale pour rendre les panneaux des navettes spatiales résistantes à une chaleur extrême, et son invention a notamment aidé les missions Apollo des années 60 à mettre des astronautes américains sur la Lune en 1969. On peut dire chapeau Ronald. Il faut que je vous parle des sources. Comme souvent autour des affaires médiatiques, et encore plus quand elles sont liées à des œuvres de fiction et culte dans ce cas, et que le faux se mêle au vrai donc, il faut redoubler de prudence. La plupart des informations sur le cas Ronald nous viennent de sources indirectes, dont des récits de prêtres et de journalistes. La famille Ronald lui-même ont rarement commenté cette affaire. Si on la connaît, c'est parce que le jésuite Raymond Bishop est le premier à la rapporter en détail grâce à son journal, dans lequel il a noté tous les événements, et c'est son journal qui représente la source principale. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que Raymond n'est pas fiable ou qu'il a tout simplement tout inventé, hein, ce n'est pas aussi simple. Je veux juste insister sur le fait qu'un seul point de vue sur une affaire aussi complexe, eh bien ce n'est justement qu'une seule version. Une perception des événements. Cela reste une source importante, mais qu'il faut recontextualiser, analyser et ne pas prendre à 100% au sens littéral. Tenez, voici une autre affaire d'exorcisme. C'est français, c'est écrit par le père Sutter, à propos du dernier exorcisme reconnu par l'Église en Alsace au siècle dernier à Ilfurt. Ce livre raconte l'histoire vraie des possédés d'Ilfurt, et ce livre nous narre littéralement la possession extraordinaire de deux pauvres enfants par des démons. J'y ai consacré une vidéo et suis allé sur place, et si on prend littéralement les faits rapportés, ça pourrait littéralement faire un exorcisme à la française, un film l'exorciste à la française, tellement certains détails sont vraiment impressionnants. Sauf qu'ils sont rapportés au premier degré, et évidemment considéré comme vrai, alors que moi j'emploierais plutôt par prudence le conditionnel. Parce qu'ici c'est pareil, même s'il y avait parfois de nombreux témoins aux exorcismes,
tout cela n'est rapporté que d'un ou quelques points de vue. D'ailleurs, d'autres témoignages donnent une vision différente de cette affaire, ou en tout cas la nuancent un peu. Et là, c'est le moment de reparler de Tante Tilly, Mathilda, celle qui aurait initié Ronald à la planche Ouija. Sa relation avec Ronald était décrite comme spéciale, et bien que certaines rumeurs suggèrent qu'elle aurait pu abuser de lui, ces allégations ne reposent sur aucune preuve concrète. En revanche, Odell et Anna, la mère et la grand-mère de Ronald, ont insisté pour que Tilly soit mentionnée comme possible instigatrice des événements dans le journal des exorcistes. En gros, tout ça ce serait de sa faute, et particulièrement à cause de ses pratiques occultes. D'autres pensent que Tilly était simplement une figure un peu moins autoritaire et un peu plus libérée, et que c'était donc une bouffée d'air frais dans la vie de Ronald, contrairement aux autres figures parentales qui étaient assez strictes et religieuses. Et puis ses camarades de classe à l'époque décrivent Ronald comme un adolescent turbulent, solitaire, assez méchant et sans amis, marqué par les croyances religieuses de sa grand-mère. Certains témoignages minimisent d'ailleurs l'ampleur des phénomènes observés, argumentant que Ronald se trouvait souvent seul dans la pièce et que certains faits décrits, comme le lit tremblant énormément, avaient été exagérés, d'autant que les lits à ressorts et roulettes de l'époque étaient assez faciles à déplacer discrètement. Quant à l'exorcisme et à la supposée possession de Ronald, le dernier prêtre encore en vie à avoir assisté aux exorcismes, le père Halloran, nuance plusieurs points. Selon lui, la prétendue force surhumaine n'a jamais été réellement constatée, de même qu'au niveau des langues parlées, Ronald ne parlait que l'anglais et le latin. Latin qu'il ne faisait en réalité que répéter en entendant les prêtres, toujours selon Halloran. Pareil pour les marques sous sa peau, que Ronald aurait pu se faire en définitive par lui-même. Si l'avis de Halloran sur le cas est plus nuancé au fil des décennies, le père Bodern a cru jusqu'à sa mort à la réalité des phénomènes. Deux versions se racontent alors autour de cette histoire, celle d'une manifestation inexplicable, d'une force inconnue qui aurait tourmenté un pauvre adolescent en 1949, et celle d'un adolescent troublé, en souffrance psychologique et potentiellement abusé, qui aurait d'une manière ou d'une autre simulé ou cru à des manifestations surnaturelles autour de lui. Dans les deux cas, et j'insiste à chaque fois sur ce point dans mes vidéos qui concernent des familles, il faut en retenir qu'une ou plusieurs personnes souffrent réellement. Et ces expériences traumatisent parfois durablement celles et ceux qui vivent ce type de situation hors du commun, qu'ils y croient ou pas. Cependant, ces écrits sont importants, parce qu'ils sont des témoignages précieux de ce qu'il s'est passé et de leur point de vue. Témoignages qui n'amènent pas de preuves concrètes ou vérifiables, mais qui restent les sources les plus complètes sur le sujet, aussi délicat soit-il à analyser au regard de notre époque, plus de 80 ans après les faits dans le cas de Ronald. Mais voilà, sans ces témoignages, cette histoire vraie serait tombée dans l'oubli, et le livre et les films n'auraient peut-être jamais vu le jour. Petite information importante à souligner, c'est en 1999 que l'Église a fini par réviser son rituel des exorcismes qui n'avait pas été modifié depuis 1614, en insistant sur la nécessité de s'assurer que les personnes qui se croient possédées n'aient pas réellement besoin d'aide médicale ou bien psychiatrique. L'histoire de Ronald a donné naissance au roman L'Exorciste de William Peter Blatty en 1971, puis en 1973 au film réalisé par William Friedkin. Cette franchise représente beaucoup d'argent, mais ce sont également, les livres comme le film, des œuvres extrêmement populaires qui ont profondément influencé la société. Et vraiment, il y a plein de films qui sont directement inspirés de L'Exorciste ou qui revendiquent un lien direct, et pour autant, cette fiction est une exagération de l'histoire vraie, de ce qu'a vécu Ronald, de manière bien moins sensationnelle dans le concret, mais tout aussi horrible. Nos peurs, nos croyances et notre désir de comprendre l'incompréhensible peuvent donner naissance à des récits qui dépassent le cadre de nos propres expériences en devenant partie intégrante de la culture collective, comme ici avec l'histoire de Ronald, un traumatisme d'adolescence étrange, extraordinaire. Je suis toujours assez fasciné de comment le réel nourrit les œuvres de fiction et inversement au final. Et je voulais humblement vous conter la véritable histoire derrière cette saga culte. N'oubliez pas l'offre du sponsor CyberGhostVPN disponible en description. 2€ par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géo-restreint et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit partage, ça aide vraiment à la visibiliser. Merci aux abonnés, merci à vous d'avoir donné de votre temps pour m'écouter et me regarder jusqu'au bout. Merci aux membres de la chaîne qui soutiennent le rythme de production. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bon week-end.